Et salut les potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Je suis un petit peu stressé. Mais en tout cas, ça va très très bien ce soir, les gars. C'est quand même l'event de Fifou. Je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous proposer ça ce soir. Alors ce soir, pour ceux qui n'étaient toujours pas au courant, on a dépassé les 100 000 vues sur YouTube. Et donc, encore une fois, 100 000 merci, c'est complètement ouf. Et du coup, je m'étais dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et au final, regarde, gros, on fait une maxi summon session en mode semi-marathon, en mode tout ça, tout ça. Donc c'est parti, les gars, je vais commencer par la mienne, et puis ensuite j'ai tout pour les summon sessions là, donc genre, je les ferai un par un, et on y va, les gars. Alors un max d'énergie, un max de tout. Si moi ça arrive pas, il y a un moment où pour vous ça va arriver. On a les premières étincelles, en tout cas après 13 vélins, et attention, et c'est la liche Vent Foucault. Je crois que je l'avais, mais je l'ai toujours pas monté, je vais peut-être la tenter pour le nécro, donc c'est très bien, ça me fera un skill up. Mais est-ce que ça peut être, pas être un joutin ou un échir? Non, mais c'est... Eléa, c'est quoi? Kabila. Augmente 30% la jauge d'attaque de tous les alliés. Très bien, je l'avais pas. Très bien. Et donc, Gobelin, sa petite île, et c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on a chez Gobelin? Putain, on a du taf, hein? Wow! On a une petite Chandra, on a un petit Poséidon, un Shilling, une Anavel, une Xiaoline, Juno, Rika... Laika, nom de Dieu, Xiongfei, Velajuel, mais ça va, c'est foutou plaît ça. Raviti, Jam Jam, Katarina, Sige. Le petit Rakan non respecté, apparemment il y en a qui font partie de l'école d'Alanar, j'ai bien l'impression. Enfin, pas d'Alanar. Non, attends, qui c'est qui déteste Rakan? Je suis assez voir. Qui c'est qui dit que Rakan, c'est une place dans le storage? Bon, je pense que en fait, qui c'est qui dit qu'il n'a pas une place dans le storage? À part Tika et moi. Personne. Come to us. Ah oui, il faut savoir que j'ai lancé un tweet à Come to us en leur disant que si j'avais pas de 5 nattes pour mes viewers, je leur chierais sur leur bureau. Voilà. Au head office. Alors, on a. C'est Borsalino. Ok. Pas fifou. Non, je crois. Et. Ah, les premières attelles. Attention, attention, attention. Et c'est. Barretta, ça fait du skill up Barretta. Au début, j'ai eu très très peur. Sachant que là, on va quand même rappeler vite fait, il y a quand même Serra et Chiou dans cette rotation. Elle est super war cette rotation. Et on a une deuxième période d'attaque. Attention, attention, et qui c'est? Et qui c'est? Et c'est un deuxième Barretta. Attention, qu'est-ce qu'on va avoir comme l'Ifrit? Alors, l'Ifrit, sachez-le, il y a des étincelles. Et c'est évidemment l'un des trois Ifrit. Et c'est Tesarion. Je suis pas sûr qu'il soit super war avec Tesarion. Light and Dark, c'est dommage. Et on a Jubel qui est loin d'être dégueu en vrai Jubel. Bon, le problème c'est que c'est un donjon secret, mais en vrai il n'est pas dégueu. Et on finit par le légendaire pour mon cher. Oh non! Oh mais non! Oh non! Oh mais non! Nom de Dieu! Me semble que j'en ai vu un. Me semble que j'en ai vu un. Merde! Putain, non mais arrêtez, arrêtez de dire rip. Moi j'aimerais tellement avoir ça. Mais attends, il n'y en avait pas? Ah mais si. Et on est connecté donc sur le compte de Nekonakami, à savoir Amemon. Alors Amemon, c'est quand même, il a une place spéciale dans mon cœur. C'est quand même lui qui a fait le plus de vues sur mon YouTube avec une vidéo à 10 000 vues. Bah, me dis pas qu'il l'a placé là. Attends, je vais le déplacer. Mais qui fait ça? Qui fait ça en 2016? Comment j'accède à ton putain de rouleau d'invocation là? Wow! C'est bon. Mais c'est horrible, mais qui fait ça? Amémone, je pensais qu'on était amis. Je peux même pas savoir qui c'est, donc je peux même pas être super content. Attention les attels, on ne sera pas content, on sait pas qui c'est. Et c'est. Voilà! On est ravis! On est ravis! Brony le magicien, Orion, très très bon mob, je sais pas si tu l'avais déjà. Putain, mais c'est pas possible, le mec est abonné aux étincelles! Mais bordel! Mais qu'est-ce qui nous arrive? Borsalino, oh. Moi quand j'invoque, mais non! Mais c'est incroyable! Mais c'est fou! Mais c'est fou! Mais bien sûr, tu tombes des 5 étoiles natives tout le temps, mais c'est impossible, et vas-y, une vieille lumière ici à bordel! Fort. Et encore des étincelles! Encore des étincelles! Je ne comprends pas. Un russe, Imezeti, je crois, ou le feu. Imezeti, très très bien, heureusement c'était pas. Je suis pas bien là. Je suis pas bien du tout. Mais c'est pas possible d'avoir autant de luck! La sirène O. Donc il a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est déjà largement au-dessus du quota.
13, 14 et 15 4 étoiles sur 80 vélins. Donc lui, il en a un toutes les 5 étincelles en moyenne. Alors, tiens, bah, apparemment, il faut aussi te récupérer tes trucs, toi, parce que tu fais rien. Oh, regardez. Ah, il m'avait dit aussi que je pourrais faire le vœu. Donc, on va commencer par faire le vœu. Très, très bien. En fait, je sais pas s'il me l'avait dit, je m'en rappelle plus. Vous m'avez tous dit des trucs de fou. Et j'avoue, j'ai essayé de noter le maximum, mais il y a un moment, en gros, c'est qu'un carnet. Arrête. Alors. J'ai cru que je lui avais eu 150 cristaux, j'étais pas bien mentalement. J'aurais été très content pour lui. C'est parti, j'ai pas vu son bestiaire, je ne le connais pas, Quillan. Il a quand même déjà un Téchar. Il a un Théomars, il a un Véromos, très bien, il a un Thésarion, ok. On a des étincelles directes et on tombe... Galion ! Mais nom de Dieu ! Nom de Dieu de con ! Est-ce que t'avais Galion ? Là, il faut tout de suite aller voir. Là, il faut tout de suite aller voir, parce que... ah putain, il l'avait ! Ah là là, dans le cul la balayette, gros, parce qu'il y en a, qui chialeraient, là, hein, à l'heure actuelle, pour avoir Galion. Attention, et on a... ah, là, c'est super, là ! Il y a Chezou qui se bouffe les doigts, les gars ! Donc on est plutôt heureux. Et le Véladéo qui tombe. Alors il y en a qui ont des avis différents. Mais moi j'aimerais bien. Et Brillant. Brillant qui est Borsalino bien sûr. Et donc Borsalino qui est... et les gars, on a fait combien de summon session? Je crois qu'on a invoqué un Borsalino par summon. Chilling il l'avait. Ça lui fera du skill up. Un petit Borsalino, un petit Raviti pour le raid. Un double Jean bien sûr. Un Jean en double. Bien sûr c'est rigolo. Et après en termes de la Nintendo Dark par contre c'est vrai que c'était un peu le pissotoir. C'est parti, on est sur le compte de Duk. Donc il a beaucoup de mobs, donc il a un Galion, il a un Sigmarus, il a un Malakka, il a un Orion, une Praha, un Anavel, un Taor, on va quand même lui faire, une Camilla aussi, on va quand même lui faire le respect d'aller dans 167 parce que c'est là qu'il trône. Salut, c'est Duk. En fait c'est pas Duk. Ah, délirant, tu es trop drôle. Attends, je vais faire c'est Duk. Mais non, mais je suis con en plus. Non, jumpé sur Duk. Souhaitez-lui... Tout le bonheur du monde. Voilà. Alors, les premières étincelles qui tombent. Et c'est le roi barbare. Et on continue avec des étincelles. Attention, et qu'est-ce qu'on a? Et qu'est-ce qu'on a? Et c'est la KFGO. Oh, je crois qu'il ne l'avait pas, Xiaolin. On l'a dit plusieurs fois. C'est très très fort. Il y en a combien sur le chat? T'as levé une main qui rêverait d'avoir la KFGO, s'il vous plaît. Et. Ah putain, pas d'étincelles, hein, c'est fou, hein. Ce sort sur le Light and Dark, il n'y a absolument aucune étincelle. Et le Yeti Dark, il y en a combien qui veulent le Yeti Dark à lever de main pour avoir leur fusion Viromos dans le chat? C'est pas fifou du tout. Alors, on part sur les légendaires. Et là, c'est Ryan qui tombe. Non, c'est pas Ryan, c'est l'autre enculé. Je sais plus comment il s'appelle, le vengeur. Je ne me rappelle plus. J'ai un petit fion de mémoire. Et en deuxième, on a le roi barbare. On est sur le compte de Spooks. Tu peux faire un summon après June, s'il te plaît, André? Ouais, je pourrais faire ton summon après. On va regarder tout de suite. Bah, après, on fera celle d'André, du coup. Alors, on a Anavel, Bess, Kumar, Barretta, Galion, Théomars, Chloé, Thésarion. Donc, apparemment, qui n'a pas du tout respecté. On a quand même une Chazoune et un Brillant. On a un Mantura, c'est très très beau. Et on a du Lucien. Une deuxième étincelle, et c'est... Non! Oh, mais non! Oh non! Oh non! De Dieu! Mais non! Oh là là! Ling ling! Moi bon, je reste un peu pour voir les réactions du chat, mais là on n'est pas bien! On n'est pas bien, ça va ripper! Ça va ripper dans tous les sens! Oh là là! Oh non! Qu'est-ce que ça me dit? Are you happy? J'ai envie de... Attends, je te pisse au cul! Voilà, je ne suis pas content du tout. Je me fais une petite pause. Oh, mais, non. Mais bon sang, regardez-moi ça, comme c'est beau. Bon, c'est pas tout à fait uniforme. C'est pas non plus la qualité luthier, hein, parce que luthier est luthier d'Amido. Mais j'aurais voulu écrire Jumpé et un Zizi juste au-dessus, là. Bon, ça va, non. C'est trois petits carrés. Mais sinon, j'étais pas bien. Mais merci, gros, ça fait très très plaisir. À voir... Ah putain, le fils. Il y a un mec dans le chat qui a balancé argent pas mal en raid, je crois. Moi, je pensais à Verdil dans ma tête quand j'ai vu le truc. Et au final, il nous sort Liesel. Bon, un 5 étoiles, c'est Ling Ling. Voilà.
Donc ça en fait quand même 1. On a quand même Soa, Kébézénuef, le roi barbare. Donc ça fait 8, 9, 10. On a eu 10 étincelles. Donc ouais, on est un peu en dessous parce que j'avais 10 plus le légendaire, donc 11. Donc on va regarder un peu ces mobs et je vous montrerai la rune. Alors il y a Théomars et June qui bien sûr sont rep, hein, petit clin d'œil. On a Soa. On a Verdil, un compte plutôt early, je pense. Wa, Barretta, Chloé, Julien, Chazune. Il y en a quand même des jolis monstres. On a Croa. On a Aria, on a Beta qui est très très bien, on a une deuxième Chloé, un gros go, c'est pas si mal hein. Good luck June. Ah, ça fait grave plaisir. J'ai craché, c'est dégueulasse. Ça fait grave plaisir, merci beaucoup. Premières étincelles et c'est parti. Et c'est Akasis qui était très utilisé avant en fait et qui est un peu sur le déclin. J'ai deux Théons qui traînent au storage et on continue à demander des. Oh non! Mais non! Mais ça y est! Jumpé la poisse, je lis dans le chat, mais je t'encule. Non, mais sans déconner, mais regardez ça! Mais il y en a dans les pierres, il y en a partout, mais nous, on le chope comme ça, sans déconner. Et c'est parti, le Deus, DD, est-ce que tu vas pas sur la bite? Dans le 667, c'est quand même fifou! Fifou, ce qui se passe! L'oracle, Serra, nom de dieu de con! Hein? Alors, mais bon, je peux dire que la Summon, elle est morte, ce qu'on voit. Hein. Il y en a qui se bouffent les couilles. Hein. Il devait pas se mettre à poil. Ah non! Mais c'était pas lui, c'était Sekfo, c'était Sekfo, c'était Sekfo. Et on lui a chopé l'Indeveillé. Bon. Donc on a quand même eu Serra, la God, Serra, Soa, Jean, Akasis, Foucault, Aquila, Linda. Et je crois qu'on est même au-dessus, hein. Ouais, on est au-dessus en termes d'étincelles. Donc. Et on continue avec le compte de EGLJ, parce que je ne connais pas du tout le compte. Il a, oh putain, il a un Daphnis, un Lucian et un Vigor. Il a fait énormément de place. Et bien en fait, il m'a dit qu'il économise depuis vraiment très 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 longtemps. Putain, ça commence très fort avec des étincelles dès le deuxième vélin, mais du coup, lui, enfin, genre, j'ai beaucoup de respect pour les gens comme ça, parce que putain, mec, t'as vraiment un mental d'acier. Et on commence direct avec Taurus, un petit bomber, ça ira très bien avec la Serra que je vais te choper plus tard. Oh, ok, des étincelles, c'est parti, de Diane. Ça, c'est Broly, ça. Oh la vache, Emma, très très beau monstre, Emma gros. Alors, on a eu un Icarus, c'est pas mal, et on a des étincelles, et on a. Ah, bah voilà, une Sky Danseuse, il en voulait de la foule Sky Danseuse, donc on a eu Inugami et Sky Danseuse coup sur coup. Et on continue. Ah, et cette fois-ci, c'est brillant. Cette fois-ci, c'est bien brillant. Ben non. Putain, mais Borsalino s'invite à toutes les summons. Et là, on a. Oh, génial, la Xiaolin. Merde, j'ai passé. Oh là 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 là, c'est Lucien, bien sûr! Alors, est-ce que c'est Borsalino? Mais c'est Borsalino, bien sûr! Fils de Borsalino! Ça drop des 4 étoiles, mais là vraiment, là je veux des 5 étoiles pour lui. Hein. Je veux vraiment des 5 étoiles pour lui. Continue, bordel! Oui, ça y est, ça tombe! Il fallait que tu me demandes, et c'est Rakiki! Rakiki! Eh bien, je l'ai, il va falloir que je pense à la respecter, mais elle est très très bien. Elle aussi, c'est un anti-revive, et je suis content, putain! Et est-ce que c'est brillant? Je crois que c'est brillantissime. Oh, c'est brillantissime! Et c'est brillant, ça y est! Ça y est, c'est brillant. Continue. Oh oui! Oh oui! C'est Gravewars, putain! Et ouais, les gars, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut économiser ces vélins, nom de dieu de con! C'est comme ça qu'il faut faire! Et on continue, on sait jamais qu'on en tombe un troisième. Oh là 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 là! Et c'est Galion qui tombe, je savais pas si tu l'avais, mais putain, mais c'est tellement worse! Donc il a une Raki, un Théomars, un Triton, il a eu Accus, Tyron, Soa, Galion, Julie, Platy, Trevor, il a eu Wa, il a eu. Oh, il a eu en veux-tu, en voilà, on sait plus, mais waouh! Ouais, on est sur le compo de Skip Shin qui nous a prévu quelques petites invocations, alors Skip. Alors Skip, il parle beaucoup dans le chat si vous en avez faire, donc je vais regarder un peu ce qu'il a. Alors il a une Bastet, un Galion, une Alicia, d'accord. Il a une Praa, il est pas mal, hein, il est assez verni, il a une Xiaolin, il a Zeros, il a Mewang, il a Triton, Juno, Warika, il est pas mal du tout le salaud. Encore une fois, et c'est brillant, et eh bien c'est quand même brillantissime, encore une fois, très très bien. Il a une chatte, Skip, mais c'est assez fou. Dommage, c'est pas des monstres de fou qui tombent. Laisse tomber les procs, Skip. Putain, mais ça continue. Mais gros, mais c'est pas possible. Il soulève la France entière. Orion, et bien voilà, il y a quelqu'un qui a dit Orion en plus dans le chat. Orion, clavier déglingué. Je sais pas pourquoi il a fait ça. On va aller voir tout de suite dans ces monstres. Donc il a Lueur, Megan, Sigmarus, Borsalino. Tu vois, il en a monté. Hein. Il a Xiaolin, Théomars, il a Beth, il a Taor, il a
Orion, Galion, Alicia. C'est Alicia en 19 secondes, Fémon, on en avait déjà parlé. On a Pra, Wa, Mei Wang, Vanessa, on a Verdet, Okeanos, Daphnis. Je pense que ce qui lui fait le plaisir, là, en vrai, c'est un psamat, quoi. Là, je sors un psamat, là, je vous dis pas le délire. Il a lui-même une raki, est-ce qu'il a ce qu'il a? Non, il a pas ce qu'il a non plus, sa raki. Mais elle est plus respectée que la mienne. Il a son homoculus qu'il a appelé Sephiroth. Sephiroth, je pense que c'est en rapport avec FF7, peut-être. Enfin, je dis ça, en fait, j'en sais rien, mais ça m'a fait penser à ça. Lucien, Imezeti, Brand, Seara, qu'il a eu il n'y a pas longtemps, il avait un Grogu, un Eshir, un Dover, il a un Rugnir, il a une Ran. Bon, après, c'était, il a un deuxième Okeanos, très très bien. Donc, on a Tyrion, Tyron. Donc, je pense qu'il l'avait x1000, skill up et tout ce que tu veux. Je devais, voilà, je devais m'aligner. Putain, Emma, pas mal, je sais pas si tu l'avais, Emma. Pas mal du tout. Bah, voilà, tu l'avais, elle. Kabila, elle est grave worse, par contre. Si tu l'avais pas, là, par contre, c'est très, très worse à ton niveau. Hein. Putain, pas d'étincelle, je pète un plomb. Est-ce que t'avais Kabila, par contre? Ah oh, là 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 là. L'armure light. Merci beaucoup, encore une fois, pour ton don, mon cher Dodis. JPP, tes appels au don et indemnité chômage en PLS. T'es vraiment con, Dodis, putain. Mais merci. Vous le savez, les gars, que ça va être pas mal. Allez, vas-y, je fais un petit appel au don. T'es le pire, Dodish. Merci beaucoup, gros. C'est très très sympa. Mais voilà, vous le savez, pour quelqu'un qui est au chômage. Allez, on continue. Oh putain, c'est grave beau ça. On dirait du Luthi. Je trouve ça très beau. Donc, on a Théomars, Praha. Ouah, on a Mei Wang, Chazun, Lucien, Xinza, Eshir, Veromos évidemment, Verdeil, Sigmarus, Julie, Raok, Shiwa, etc., etc., Raviti, Wushi, il a l'homme lézard light, donc je ne pense qu'il en veut plus. Donc voilà, merci Fly. Putain, en plus il faut te faire ton salaire. T'es con, Fly. Merci beaucoup Fly pour tes 6 euros, c'est très très sympa. Et on continue de monter. Oh putain, merde, j'ai passé. Akila, c'est dans la folie. Vous le savez, les gars, vous le savez, vu que je fais des appels. Merci gros, c'est très très sympa. Oh là 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 là, c'est quoi cette non-chatte? Oh bah, il fallait que ça tombe sur quelqu'un à un moment ou un autre, mais là, je suis pas bien du tout là. Ouh là 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 là, ouh là là là. Eh gros, je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on fait pour Seg là? Oh merde. On est sur le compte de Romain, il est niveau 37, Romain. Tiens, c'est la première fois qu'on n'a pas un level max, je crois, enfin plus de, en dessous du level 40. Donc il n'a pas beaucoup de mobs, Romain. Il a un petit lueur, il a un petit vigor, il a le roi barbare haut, il a Raok, donc il a gardé sa lapis. Hein. C'est vraiment un compte plutôt early. Il a quand même déjà une Lisa. Bah voilà, on a déjà une étincelle, donc très très bien. Et c'est... Oh là 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 là, c'est Stella, gros, c'est tellement bien, Stella. Ok, il y a une deuxième étincelle, oh là 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 là. Et c'est donc le roi Barbarvent, encore une fois. Encore une... Oh putain, mais Sekfo, s'il te plaît, j'espère que Sekfo, t'es parti de coucher. Non ! Non ! Non ! Non, je ne veux pas ! Non, c'est pas possible ! C'est pas possible ! Il a pissé sur le jeu ! C'est pas possible ! Mais non ! Mais non! Mais non! Mais j'y crois pas! Mais non! Mais non! Mais moi ça m'arrive jamais! Mais pourquoi? Mais je suis à 400 VLA! Mais non! Mais non, je ne peux pas! Je peux pas! Je peux pas! Je... Non! Non! Arrêtez tout! Arrêtez tout! J'arrête! J'abandonne! Non! Et il chope Rakan! Allô! Putain, mais c'est pas possible quoi! On est sur le compte de The Mami! Je crois qu'il y avait pas mal d'invocations si je ne m'abuse. Alors, il a un compte pas mal, il a un Galion, un Sigmarus, un Spectra, un Adrien, un Barretta, un Akamamir, un Lucien, une Xiaolin, une Stella, une Wa, Xiongfei, Tesarion, Lisa, c'est pas mal hein, ce qu'il a, une Shazu, une Katarina, une Dias, il est pas mal verni. Et on y va, go choper la 5, et on va voir, et on a Kaz, d'accord, donc on continue. Avec des étincelles encore une fois, et c'est Emma. Est-ce qu'elle était dans la liste, Emma? Oui, elle était dans la liste. Très content, putain. Il n'y avait qu'à demander, les gars. Je délivre. Alors, on continue sur les étincelles. On a Tyron, le deuxième de la liste. Très, très bien, gros.
Oh, Lucienne! Putain, je crois que tu l'avais déjà. Enfin, c'est pas comme si on devait faire la gueule, c'est un Lucienne, mais vu que tu voulais Julie. Oh là là, des étincelles! Ça y est, on a brisé la malédiction. Des étincelles, et qui c'est qu'on a? Non, mais non! Le seum! Putain! Alors, on part pour le légendaire. Et le légendaire, il nous donne Lupinus! Ça fait longtemps qu'on n'est pas tombé sur ces merdes. Waouh, on n'est pas bien. Ouais, comme quoi, la couleur fait toute la différence, on est bien d'accord. Et derrière, on a le Siren Vent, qui, on l'a dit tout à l'heure, c'est de la merde. Bon, tu as eu la Camamir. Bon, la Summon, tu as quand même eu. Tu as quand même eu Emma-Tyron. Hein. C'est quand même 2 des 4 que tu voulais. Tu as eu Soa. Tu as eu Ninjao. Mais derrière, bon, t'as eu un skill up pour Lucian, mais derrière, on est un peu déçu encore une fois au niveau des Light and Dark, c'est chiant. On va regarder un peu ce qu'il a dans ses monstres. Christophe, il est niveau 48, il a un Lucian, c'est son rep. Il a Veromos. Ah putain, c'est un compte assez. Oh, allez, putain, il a 200 messes, on va essayer de le régaler. Ouh. Allez, deuxième invocation, les étincelles qui tombent direct, et on a Kaito. On en a invoqué beaucoup des Kaito d'ailleurs. J'apprécie vraiment beaucoup. Et on continue avec une paire d'étincelles et on a Verdeil. Je crois que tu l'avais pas, gros. Yes! Ça, c'est du putain de monstre. C'est la première fois qu'on le tombe ce soir. Et on a Galion! Mais non! Mais ça y est! Mais attends, mais est-ce qu'il avait. Attends. Il avait Galion Verdeil ou pas? Parce que là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, on lui fait l'amour virtuellement, là. Et on tombe, oh là 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 là, on tombe Lisa. Merci beaucoup pour ton don, mon cher Maro. Il manquait des sous pour avoir un contrôle. Dodichimon, on n'était pas bien à cause de ça. Take my donation. Merci beaucoup, Maro gros. Et tu récupères 6000 points. Alors, des petites étincelles. Oh non. Oh, mais ça va. Attends, mais c'est quoi ça? C'est Orion en éveillé. Bon, c'est un gratte trip parce que c'est quand même un putain de monstre. Ça reste un 5 étoiles natif éveillé. Lucienne, et bah, oh non, mais, je viens d'avoir mon Lucienne après 1 an et demi de jeu, je lui dis GG, derrière je tombe Lucienne. What the fuck, man? Nouazache. Borsalino, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce fils de pute. Alors, tu m'as pas dit ce que tu voulais en tant qu'Ifrit. Et on t'a eu Akamamir. Ah putain, yes! On a quand même un bon monstre sur la Light and Dark, on a Basalt, excellent monstre. Ça s'est un peu terni avec les Light and Dark. Mais en termes d'étincelles, putain, on avait combien de vélins en tout? On avait 200 vélins. Après, j'en ai mis beaucoup au storage, mais on en a eu pas mal. Hein. On va regarder un peu les monstres de DT du coup. Il a Veromos, il a Emma. Ah, c'est un compte. Ah non, lui, c'est un compte. Il a Veromos. Bon, c'est quand même assez early. Hein. Il a Rakan. Oh putain, il a Kumar. C'est super sympa. Et il y a quand même Jultan, de notable. Des étincelles, encore une fois. Allez, 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 allez. Lumiratia, c'était pas dans ses trucs. Il le répète pour les absents. Non mais c'est bon. Allez, Jade. Les gars, je ne dirai plus rien sur les dons. Oh là 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 là. Est-ce qu'il m'avait demandé Lisa? Putain, il avait pas demandé Lisa. Est-ce qu'il avait Lisa? Putain, l'appel au don. Et là, on lui chope Olivia. Ok. C'est mal de boire du café. ouais, je sais pas. Alors, c'est Akamamir. On a vu Akamamir. On lui a eu Lisa, on lui a eu Zibrolta quand même, on lui a eu Brillant. Elle aurait pu être formidable, elle aurait pu être quand même bien mieux. On est à la partie. Donc là, on est sur le compte de Nephi. On va voir ce qu'il avait réservé comme summon. Il a déjà Chandra, il a déjà Sigmaris, il a déjà Wahi, il a déjà Verdil, il a Triton, Pumbek, Fengyan, il a le Pandavant, un collègue à Fly. Amduat, très très bien, collègue à moi. Xiaolin et Galion et Orion. Kumar, double Kumar. Sekhmet, fuck Sekhmet. Ah la vache, il se met bien quand même, hein, le saligo. Alors, on a eu Clara. Derrière, on a. Ouah! Alors, attends. Nephi, il m'avait dit qu'il aimerait bien Lucienne, Chazune, Ouah, Brillant, Stella et Chloé. Donc, je lui ai chopé Ouah, ça! C'est bon, on veut tu envoyer. Non! Je l'ai passé! Oh là 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 là! Oh là 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 là! 2h44 du matin, je m'excuse juste avant en lui disant gros, je suis désolé, on garde le meilleur pour la fin. Et je vous envoie Tiana, nom de Dieu! Zou, les doigts dans les. GG gros, putain! Étincelle,
Oh là 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 là, on a Galion. Est-ce qu'il voulait Galion? Oh non, il avait déjà. Je pense qu'il avait déjà beaucoup beaucoup, beaucoup d'étincelles. Et on a Chloé, mais il voulait Chloé, mais gros. Donc on lui a quand même eu Tiana, Galion, Chloé, Clara, Wa. Regardez le nombre de procs, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 procs. Bon, allez, on retire légendaire. Je crois qu'il avait 60 vélins. Donc on l'a régalé. Alors, il a quand même un Poséidon, il a un Lucien, il a un Véromose, il a un Brillant. Et il m'a dit qu'il aimerait bien. Ah non, il me l'a pas dit. Il m'a pas dit qu'il aimerait bien. Oh oui, c'est vrai, je me rappelle, il me l'avait dit. Il a l'aura. Alors comme ça, on est deux. Je suis vraiment désolé, surtout avec ce qu'on a invoqué juste avant, mais comme je l'ai dit, gros, c'est pas. Je t'aimais bien pourtant. Mais moi aussi, ça brille. Bon. Je me sentais obligé histoire de te voir pleurer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je la connais. Bon, bah voilà. Merci, plein. Bon, bah c'est parti. La meilleure de tous les temps. Hein, le con. Il donne tout, le mec. Oh, nom de Dieu. Merci, Fly. Ça me fait tellement plaisir. Oh la vache, vous allez me faire choper des crampes d'estomac avec vos conneries. Alors, ah, mais c'est Zarakaï! Mais je suis con! Moi, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé Johnny B. Good. Oui, bah, c'est son nom. Ah, bah, moi, je savais pas que c'était Zarakaï. Eh bah, c'est parti, du coup, Zarakaï. Est-ce que t'es encore là, gros? Allez. Ah. Ah, putain, Liesel. Est-ce qu'il m'avait dit qu'il voulait un monstre particulier, Zarak? Non, il m'avait pas dit qu'il voulait un monstre en particulier. Et là, oh yes! Jultan, je sais pas si tu l'avais. Ah, c'est le premier loup-garou que j'invoque ce soir. En light and dark, évidemment. Fumé. C'est bien, c'est pas. C'est ce qui est bien, c'est que c'est pas le vache vache en ce moment. Mais GG. GG gros. Eh bien, c'est parti, on est sur le compte de Angelus 21, autrement appelé Zeratu comme tu me. Ah, les premières étincelles qui tombent. Et c'est le Taoiste Vent qui est pas trop mal. Wuxi. Ah, il a Annabelle. Hein. Il a aussi Ritesh. Ah, il était pas mal son compte. Hein. Il a une Galion, un Galion et une Xiaolin. Il a un Chiwi, une Lisa. Il est vraiment joli. Et bien, c'est parti, c'est Wissem. C'est Wissem. C'est donc à Wissem. Il a attendu assez longtemps. Est-ce qu'on fait tes pierres, Wissem? Je crois que oui. On va commencer quand même par tes vélins mystiques. Et c'est parti. Et on chope Chiwa qui est très 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 fort pour le nécro. On a une deuxième étincelle et c'est merde, c'est Karak. Oh putain, ça part direct, ça part direct, ça part direct. J'ai bugué, gros, j'ai bugué. T'as quand même. Ah oui, putain, t'as Ritesh chez Wolyang, hein, c'est vrai. T'as aussi la KFG Lite. Ouais, t'es quand même. T'es assez fourni. Mais. Attends, mais attends. On a eu quoi, nous? On t'a eu quoi? On t'a eu Chihuahua, quand même. On t'a eu Chihuahua. C'est vrai qu'on t'a eu Chihuahua. Alors, Pépito, est-ce qu'il a des monstres un peu, Pépito? Alors, Pépito. Oh oui! Il a Chilling, il a Taor. Attends, vous avez des beaux comptes. Hein. Il a Lisa. Xiangfei, Wa, Vanessa, Lucien, j'oublie toujours son nom, elle. Etna, Teshar, Hathor. Ah ouais, il est bien. Il est franchement pas mal. Ah, c'est bon. On a les premières étincelles. Et c'est la succube vent. C'est pas fifou, hein. Putain, encore des étoiles. Très, très bien. Allez, allez, allez. Tiron. Bah voilà, encore du skill up. Ou sinon, Tiron, si jamais tu ne l'avais pas, gros. Des étincelles encore une fois. Oh, c'est Lucienne. Oh yes. Je vais dire cette fiotte et cette raclure en même temps. Oh. Oh là 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 là, la deuxième de la soirée. Mais si, c'est moi, putain. Mais Pépito. Mais Pépito, qu'est-ce qui nous arrive, Pépito? Qu'est-ce que. Mais toi et moi. Toi et moi. La chie du flûte m'a réveillé. Mais toi et moi. Pas trop privé. Mais toi et moi, Pépito, mais qu'est-ce qui nous arrive? Bon, Fly, on connaît son bestiaire. Le petit singe.
Le petit Kumar. Enfin, le gros Kumar. On a Saint-Jean aussi, quelque part. Là. Fengan. On a aussi Etna. On a double Lucien. On a un Jultan. Fly qui a aussi énormément step-up, je trouve. Il a son homoculus aussi qui s'appelle Kappa Pride. 11. Et 12. Ok. Et non. Moi, je crois qu'on est quitte. On va regarder quand même son bestiaire. Donc il a Kona, Emma, Sera, Théomars, qui est son rep. Il a Xiangfei, Shazun. Il a quand même une Etna qui n'a absolument pas respecté. Enfin, je sais pas en fait, parce que c'est pas son rep. Sigmarus, Borsalino, Rina, Galion, Chloé. Il a un Jamir. Il a un deuxième Lucien. Il a un Jultan. Et il a un Dias. Ah, la première qui tombe. Allez, c'est parti, gros, c'est parti. Oh là 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 là. Mais Maro, mais putain. Moi j'avoue c'est grave mérité aussi parce que putain, vous êtes super sympa les potes. Franchement, je bien sûr on rigole et tout, mais vous me faites, enfin bien sûr avec les appels aux doigts, mais vous me faites vraiment passer des putains de moments, donc c'est grave mérité gros Maro. GG à toi. Et une deuxième étincelle. Et c'est... Oh là 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 là. Verde Hill, est-ce que tu l'avais gros? Enfin le dernier. Dernier Amaro. Oh la vache, Lisa. Lisa gros. J'espère que ça vous a vraiment plu en tout cas. Moi j'ai vraiment grave kiffé. Je vous fais plein de bisous les potes. Je pense que là il est vraiment temps pour tout le monde d'y aller. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Salut, bye bye.